J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo crash test où nous allons tester la gamme. La gamme, j'ai envie de vous dire. La gamme African Chebe de chez Design Essentials. Donc, on va commencer avec le pré-soin, c'est ça? Ouais, un soin au pré-lavage aux herbes. Donc, c'est un masque réparateur intense, mais qu'on doit mettre avant le shampoing. On peut le laisser 20 minutes, mais autant de temps qu'on veut aussi si on souhaite. Ensuite, on va passer au shampoing, donc qui se trouve ici, le shampoing. Après le shampoing, on va aller sur le leave-in. Donc, le conditioner, c'est un leave-in, au fait, on n'a pas besoin de rincer, un soin sans rinçage. Puis, ah ouais, il y a un leave-in. D'accord, après shampoing revitalisant, hydratant sans rinçage. J'avais pas compris parce qu'au fait, j'ai acheté la crème fortifiante Trust et Twist Out. Alors, j'allais faire des boucles puisque j'ai pris la mousse. Mais au fait, je me suis dit, la mousse sera pas suffisante. Donc, il me faut une base crème hydratante et tout. Donc, j'ai acheté ça. Mais au fait, c'est un leave-in, c'est pas un après shampoing. Je me suis trompée. C'est pas grave, on va quand même tester le tout. Donc, je vais passer à l'application de ce soin. Ah ouais, c'est bien. On voit bien les graines de Chebe. Je sais pas si vous voyez. On voit bien les graines de Chebe. Ça sent très bon. La texture, elle est onctueuse. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On va appliquer une quantité. Je sais pas si je peux démêler mes cheveux avec. Séparer les cheveux en quatre. Parce que je lis la notice en même temps. Séparer les cheveux en quatre sections. Appliquer généreusement sur des cheveux humides. Couvrir avec ou sans de la chaleur. Laisser pour au moins 20 minutes ou aussi longtemps que l'on souhaite. Procéder ensuite au shampoing. Répéter si nécessaire pour être sûr que toutes les graines, donc du coup les petits granulés qu'on voit du chébé, ont été retirées. Répéter chaque semaine pour des résultats optimaux. Donc là, j'applique. Ça pénètre bien dans le cheveu. On sent bien les graines de chébé. Et c'est vraiment... c'est agréable à mettre en tout cas. Moi, j'aime bien. C'est vraiment agréable. Donc, je vais mettre toute la tête. Laisser poser. Et ensuite, je passerai directement au shampoing. Et je vous donnerai mon avis après le shampoing. Franchement, le shampoing, il est pépite. Il est pépite. Il me rappelle beaucoup le shampoing de la marque Crème of Nature, la gamme Flaxseed and Butter Blend, celle qui a au gel de lin. Ça laisse au fait, c'est doux, donc du coup, on peut même démêler limite son cheveu avec. Ça mousse, donc on sent quand même l'effet astringent nettoyant. Mais en même temps, ça laisse vraiment une pellicule de douceur. Ça n'agresse vraiment. Vraiment pas le cheveu. J'aime beaucoup. Regardez mon cheveu, il est tout doux, tout souple. Je vais passer au leave-in. Donc le leave-in. Et ensuite la crème et la mousse. J'espère que je ne mets pas trop de produit. On commence avec le leave-in. J'aime beaucoup le petit packaging. Je ne sais pas si c'est un petit vol auprès de Elas Air qui a vraiment commencé ce petit packaging avec le faux bois et que j'ai adhéré direct quand j'avais découvert les produits la première fois. Mais voilà quoi. Je dis ça, je dis rien.
On commence avec le livy qui a une texture assez onctueuse. Ça sent bon. Pour l'instant, tous les produits sentent bon. C'est agréable. Il faut savoir que lorsque j'ai rincé le soin pré-shampoing, qui avait pourtant pas mal de graines de chili, il y en avait beaucoup de graines de chili dedans. Donc on voit que les gars ne mentent pas. Ce n'est pas de la publicité mensongère. Il y a même des petites boules de graines de chili. Au shampoing, tout est sorti sans difficulté. J'ai vraiment pas galéré. Hein. Je n'ai vraiment, mais vraiment pas galéré. On commence toujours par démêler par le bas. Alors, comme je les avais démêlés, comme je les avais démêlés avec le masque, avec le masque avant shampoing, je pense que c'est pour ça que je galère pas trop à les démêler. Après le leave-in, il me rentrait assez facilement dans mes cheveux. Il a pénétré assez facilement dans mes cheveux et... vraiment pas mal. J'ai maintenant appliqué la crème. Oh non, c'est pour les braids out, pour les twist out. Mais je vais mettre un petit peu. Même si je fais un wash and go, je vais mettre un petit peu. La texture est plus épaisse que le leave-in. J'aime bien l'odeur. J'aime bien la texture. Je vais pas en mettre des masses parce que je pensais pas que le... Déjà, j'avais oublié que c'était un leave-in et un après-shampoing. Et avant d'acheter la crème. Et en plus, le leave-in, il est assez riche, concentré, même déjà en termes de texture. Donc, je veux pas non plus alourdir trop mes cheveux. Même si, bon, mes cheveux aiment les produits épais. Parce que moi, j'ai un cheveu qui est poreux. Mais... je vais pas non plus... je sais pas si vous voyez bien. Je pense que là, vous voyez mieux. Je pense que... Non, c'est pas mal. Alors, ça ne va pas garder mes boucles, ça c'est sûr, mais c'est pas mal. Donc, on va passer à la mousse. Et c'est super grand. C'est super grand. L'odeur est agréable. Il s'enrobe directement mon cheveu. Ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah, ça a cassé direct. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ça a cassé direct le côté gonflé, ça a réduit les frisottis, ça a enrobé direct. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah non, par contre, là. Ah non. Ah oui. Je vais faire toute la tête et on va voir le résultat sur cheveux mouillés et ensuite sur cheveux secs. Mais pour l'instant, j'aime bien. Voici le résultat sur cheveux mouillés. Franchement, mes boucles sont super définies. Je trouve que la mousse a une très bonne tenue. Alors, c'est vrai que le leave-in aussi a une belle texture légèrement gélifiante, tout comme la crème aussi. On sent qu'il y a des éléments gélifiants qui permettent quand même aussi de capter la boucle, de bien capter au fait la boucle naturelle du cheveu. Donc, je pense que ça aussi, ça y joue. Et la mousse, elle vient finaliser le truc et regardez quoi, je suis émerveillée. Donc, je vais les sécher et on va faire le topo habituel. Regardez mon résultat le lendemain. Ah, franchement, il n'y a pas de gel. Uniquement le leave-in, la crème et la mousse. La mousse, elle est géniale. Déjà, j'aime le fait qu'elle soit en grand. Il y a quand même 300 ml. J'aime déjà le fait qu'il y a quand même une bonne quantité. J'ai utilisé que ça. Donc, un quart, un cinquième, je dirais même. Et le résultat est top. Mes cheveux sont définis. Ils sont très souples, très doux. Là, je les ai légèrement étirés ce matin pour diminuer un peu le shrinkage parce que ça a vraiment défini mes cheveux. Ah non, mais comme je vous ai dit, la crème avec le leave-in a un petit côté gélifiant. Donc, je pense que ça aussi, ça aide. On sent à la texture. Laissez-moi vous montrer encore. Attendez.
c'est très... on sent vraiment que c'est... oui, c'est... En plus d'être riche, de bien pénétrer dans la fibre capillaire, c'est vraiment un living qui a ce petit côté gélifiant. Donc, on sent qu'il y a des éléments quand même qui sont déjà mis en avant dans la crème comme dans le living pour commencer à définir la boucle. Mais pour finaliser le tout, la mousse, elle fait des merveilles. Alors, le soin, le masque avant shampoing, j'apprécie beaucoup. Alors déjà, de un, parce qu'il ne monte pas dans la marchandise, il y a beaucoup, on sent le chébé, on voit les graines. Il y en a pas mal, il y a même des petites boules de chébé qu'on peut écraser, éparpiller dans la crème et appliquer. Au rinçage, mes cheveux étaient très très doux avant de passer au shampoing. On sent bien que ça a galbé mon cheveu. On sent que quelque chose a été fait sur le cheveu. Mon cheveu était très très doux. Et le shampoing, qui pourtant mousse bien et qui a bien nettoyé, a retiré toutes les graines de chébé, j'avais rien. Après au rinçage, il donne un effet hyper doux. Il apporte une douceur, c'est incroyable. Comme je vous ai dit, il me rappelle beaucoup le shampoing de la marque Flaxseed & Butter Blend de Crème of Nature, qui lui aussi est très hydratant, très doux, très soft, apporte des cheveux très souples, malgré le fait que ça mousse bien et que ça retire bien les résidus qu'il y a sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Donc, moi, je donne une très belle note à cette marque, en toute honnêteté, à cette gamme que Design Essential a développée pour les cheveux curly, frisés à crépus. Je donne une très bonne note. Je n'ai jamais eu une telle définition uniquement avec, sans utiliser de gel au fait. Je n'ai jamais eu cette définition. Je suis impressionnée. Je suis vraiment impressionnée. Alors, au niveau de la compo, oui, il faut savoir qu'il y a quelques éléments dans... Design Essential ne travaille pas avec avec quelques petits ingrédients que je sais que les filles n'aiment pas trop, comme le phénoxyéthanol, qui, n'oubliez pas, reste un conservateur autorisé dans l'Union européenne en fonction d'un dosage à respecter. Mais mis à part ça, quand même, les ingrédients sont des ingrédients assez nobles. On y retrouve le chébé, on y retrouve le beurre de karité, on y retrouve aussi différentes... huiles végétales. Il y a du panthénol. Vous avez du panthénol. Il y aura certaines vitamines aussi parmi les ingrédients. Vous avez de l'huile de tournesol. Il faut savoir que l'huile de tournesol est très bonne pour le cheveu. Bio. Extraite à froid. Elle est vraie. C'est une huile qui est très très bonne pour le cheveu. Vous avez aussi de l'extrait de macadamia. Non, au niveau de la compo. Mais beaucoup d'éléments hydratants. D'agents lissants et hydratants. Alors attention, quand on dit un agent lissant, ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour les cheveux lisses et que c'est fait pour défriser le cheveu. Attention, rien à voir. Ce sont des éléments qui vont permettre justement de bien fermer les cuticules, d'avoir une cuticule bien fermée, brillante, pour pouvoir justement éviter l'apparition des frisottis, agents lissants. Et parmi les huiles végétales qui sont très bonnes pour justement éviter l'apparition des frisottis et donner une boucle bien brillante, bien définie, vous avez l'huile de brocoli, vous avez l'huile de moringa, vous avez l'huile aussi de piqui. Et il y a une quatrième, l'huile de pracaxi, si je le prononce correctement. Ce sont des huiles qui vont vraiment avoir ce côté lissant pour le cheveu, pour donner une boucle de qualité. Je suis agréablement surprise. En plus, on ne passe pas des heures dans la salle de bain puisqu'il n'y a pas à faire après. Le masque est à poser avant. Donc, on a le temps de le mettre et de faire ses affaires. Ensuite, on passe au shampoing. Une fois qu'on a fait le shampoing direct, on a la partie coiffante, quoi. Et mes cheveux, ils n'ont pas trop... Vu qu'il n'y a pas de gel et tout, mes cheveux ont séché assez rapidement. C'est ce qui était cool. Ils ont séché assez rapidement. Même si les textures sont assez riches du leave-in et de la crème, ce n'est pas alourdissant pour le cheveu. Ce n'est pas du tout alourdissant. Donc, les filles qui ont les cheveux frisés, crépus, fins, elles vont s'y retrouver. Il faudra juste essayer de mettre moins en termes de quantité. Mais sinon, Design Essential. Et les odeurs, elles sont à tomber. J'aime beaucoup les odeurs. J'aime beaucoup les odeurs. Donc, c'est tout pour moi, mes sweeties. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la barre. N'oubliez pas aussi que dans la description, vous allez retrouver tous les sites sur lesquels vous pouvez trouver les produits de cette gamme, donc African GP de chez Design Essential, que vous pouvez aussi trouver aux Antilles, dans certains magasins, dont Beautylicious, ils vendent aux Antilles. Mais en France, je vous donnerai bien sûr la liste des sites comme d'habitude. Et comme vous le savez, on est sur tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram, YouTube, où vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être à l'actu des nouvelles vidéos qui vont dropper, TikTok et enfin Facebook.
Et mes soutiens, c'est là pour moi d'y aller. Franchement, je suis trop contente. Regardez la brillance. Il manque juste une peut-être qui développe une petite huile. C'est ça, il y a une huile dans la gamme. Hein. Une petite huile scellante et tout, je sais pas. Pas mal. Je vous lance des idées. N'hésitez pas. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Gros air love. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.